Nous venons de vivre des moments difficiles et tragiques à nos portes. Comment ne pas être révolté face à ces barbares qui tuent aveuglément nos enfants, nos femmes et nos parents? Aujourd'hui, je le dis, je suis très triste, en deuil et révolté. Les mesures ont été prises immédiatement, comme elles ont été prises maintenant depuis des mois, puisque nous sommes en alerte attentat maintenant et en état d'urgence depuis plusieurs mois. À Saint-Laurent-du-Var, nous avons mis en place, j'ai mis en place une protection particulière avec mes policiers municipaux sur les événements. Nous savons aujourd'hui qu'en période estivale, nous avons des événements à venir et naturellement, il faut garantir la sécurité. C'est une décision lourde. Est-ce que j'annule les événements ou je les maintiens? Si j'annule, c'est peut-être donner une réponse favorable à ces barbares qui ne pensent qu'à nous détruire. Et si je maintiens, c'est aussi dire que j'assure la sécurité aussi de ces événements. Alors je maintiens les événements de juillet et août parce que je considère que la vie est une priorité. Les événements seront sécurisés, on se donnera les moyens. J'ai demandé à M. le préfet de nous apporter les moyens policiers. Moi-même, avec la police municipale, nous allons augmenter nos effectifs. Et je le redis, le risque zéro n'existe pas. Mais pour autant, on prendra toutes les mesures pour sécuriser ces événements. Nous avons quand même 300 centres commerciaux dans un Cap 3000 qui attirent énormément de monde. Et hier, je me suis rendu ce centre où j'ai rencontré le directeur du centre et les directeurs des centres commerciaux du groupe Altarea. Et nous avons fait le point sur toutes les entrées et sorties de ce centre commercial où nous avons visionné toutes les difficultés que nous pourrions rencontrer en cas de risque d'attentat. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, Altarea et son groupe ont pris toute la mesure du problème et aujourd'hui, le centre commercial a des moyens pour garantir. On n'est jamais garanti de rien puisque le risque zéro n'existe pas, mais au moins on se donne les moyens de sécuriser les lieux. Bien entendu, j'ai été voir aussi les deux centres commerciaux que nous avons ici à Saint-Laurent-du-Var, les deux Intermarchés. Et les deux directeurs ont été très sensibilisés sur la sécurité de leurs clients. Vous savez, aujourd'hui, on a affaire à un islam politique. On a des délinquants qui sont connus, qui sont fichés, les fiches S, les fameuses fiches S, et qui sont sur le territoire français. Moi, je considère qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas la nationalité française, qui sont délinquants, qui sont fichés, n'ont rien à faire en France. Il faut qu'ils retournent chez eux. Aujourd'hui, c'est la République qui est en danger. C'est notre drapeau tricolore, le bleu, blanc, rouge, qui est en danger. Nous devons nous défendre, nous sommes en état de guerre et je considère aujourd'hui que nous devons prendre les mesures face à cet état de guerre. Et je le dis et je le répète et j'assume, tous ceux qui sont hors de la République, qui sont contre nos valeurs, contre notre culture, contre notre drapeau, n'ont rien à faire en France et il faut les renvoyer chez eux.